Bonjour à tous, c'est Tilly et aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de Assassin's Creed. Assassin's Creed qui est une série que j'affectionne tout particulièrement, elle est très haut placée dans mon estime. Alors oui, j'ai dit on se trouve, je suis court, j'en suis bien conscient, excusez-moi, c'est parce que c'est ma première vidéo en fait, donc on ne saurait pas se retrouver, voilà, tout simplement. Donc sans plus attendre, nous allons lancer une nouvelle partie. Oui, j'avais une ancienne sauvegarde, c'est pas grave, on va l'écraser, on s'en fout de toute façon. Et voilà donc Altaïr ibn Lahad. J'ai mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi se poursuit. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On a un problème. Alors, donc, marcher. Impossible de maintenir la connexion. Courir, se faire bousculer par un clodo. Il rejette le traitement. On arrête tout. Sprinter. Essayez. Laissez-moi. Bordel. J'avais essayé de le stabiliser. Alors c'est normal, hein, c'est prévu dans le jeu. Là on est dans le dans la petite mise en scène pour nous expliquer le la situation. Je me casse la gueule. Ça ne marche pas. Je me fais pousser par un clodo encore. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stéphane. Ah, la première fois n'est jamais facile. Secteur mémoire disponible. Voilà. On s'est encore bousculé. C'est très drôle. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite. Et donc le début du jeu est assez calme. Hein. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous planter le décor. Faut expliquer ce qui se passe ici. Donc, Oranimus, hein, je veux dire. Alors. Ça va? Voici donc avec Warren Beatty, Lizzie Stillman. Salaud! Et Desmond Miles. Voyons. Hein, qui est le je mec viens de vous sauver qui la vie. Couché. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman! Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé, tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Ah. Et quand nous en aurons terminé, super. Nous vous laisserons mourir. Ah, encore mieux. Comprenez-moi. Si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Merci. Vous êtes malade. Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir?
Ben... Allongez-vous. La vie, hein? C'est bien la vie. Oui, oui. Tu veux bien t'allonger? Une seconde. On se calme. J'appuie sur la touche, voilà. J'ai réussi. Ok? C'est dur hein, pour moi. Vous voilà raisonnable. Ok, très bien. Chargement de l'animus. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en trois dimensions. La mémoire génétique? Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Chouette. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction, comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire, les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois, ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Oui, donc maintenant, là c'est le tutoriel. Donc oui, je me tais pendant que les personnages parlent, hein, pendant les dialogues. Comme ça, vous pouvez en profiter pleinement. Alors, nous allons commencer avec un petit tutoriel qui va nous apprendre à maîtriser les commandes du jeu. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Bonjour, voix robotique chelou. Ce logiciel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. Oui, en cas de pour ceux qui n'auraient pas compris, totale, c'est la barre de vie. Vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Oui, certes, je n'ai qu'un point de vie. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. Très bien. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Ah, très bien. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Donc. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Voilà. On regarde autour de nous. On a une vision à 360 degrés, parce qu'on peut tourner la tête, on est un hibou. En fait, voilà, on n'est pas un assassin, on est un hibou. Utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Alors oui, on avance et on appuie sur le Avancez B. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. On maintient B pour pas faire tomber les peaux de ces gens, qui nous font clairement chier parce qu'ils pourraient le porter autrement que sur leur tête. Mais bon, soit, c'est pas grave. C'est une autre histoire. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Lesquelles? Celle du profil actif, perçue comme agressive,
et celle du profil donc, passif. Donc là, je suis agressif. Considéré comme vous passif. Voyez pas trop, mais je suis agressif. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Oui. Ok. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Qu'est-ce que t'as dit toi? T'as dit quoi sur ma mère? Attends, parce que je suis un peu nul. Voilà. Ce fail, wow. Ce magnifique fail. Vous n'avez rien vu. Hein. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Oui. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Ce serait pas lourd. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. C'est la course. Ah, c'est bon, c'était pas très compliqué. Bien joué. C'est le début, c'est normal, le jeu est gentil avec nous, hein, il va pas me faire galérer le début. La de toute façon, fournit certaines les Assassin's Creed sont pas connus pour être extrêmement durs. Hein. C'est pas le principe du jeu de faire galérer vraiment les gens. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. Donc oui, les jaunes quand la couleur jaune quand il nous indique repère, que son regard est négatif, rouge, méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Oui, un petit chelou, tu piquais donc. Oui, il est jaune en fait quand il trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Et il est rouge quand il commence à vraiment avoir des soupçons. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant, va. Sélectionner votre lame. Sélectionner la lame secrète. Voilà. On va s'avancer gentiment vers lui. Avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Bonjour. Belle journée, vous trouvez pas? Hein? Oh! Hop! Pardon. Oh là là. Oh mon dieu! Quelqu'un a vu le bus! Un cadavre! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! C'est pas. Il m'a pas vu. C'est peut-être cet homme-là. Le cadavre a attiré l'attention du soldat. Et sa perception indique maintenant qu'il est informé. Donc voilà, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. C'est rouge parce que. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Oui, donc. Provoquer ce soldat. Oh là là, je vais la tuer cette fois. Oui, donc comme je le disais, il est rouge parce que il a vu une action malveillante et comme je suis le seul payou dans la zone, ben. Je suis le premier suspect, hein, c'est normal. Donc là, je vais marcher sur son cadavre, il va pas trop aimer. Voilà. Votre icône de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Voilà, j'ai clairement le pied sur sa tête. À l'échelle pour vous soustraire à la vue du donc, soldat. Donc, non, zut, je suis repéré. Oula. Donc je... Hop. Excellent. Donc, statut enfoui, jaune, vous avez échappé à la vue du... Cachez-vous dans le maintenant, refuge. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Donc voilà, on va se cacher. Bon, on est totalement d'accord qu'on voit encore ma tête dépasser. Hein, et qu'en plus, si que tu vous êtes bouges caché, la tonture, ben, je suis totalement le soldat prêt, est à votre recherche. Mais bon, c'est un jeu vidéo. Attendez hein, que les jeux vidéo ne sont pas connus pour être hyper méga réaliste. Hein. Ça ne sert à rien. C'est pas grave. Voilà. Bon, ça ne sert à rien, effectivement. C'est vrai que tourner la tête à droite, c'est trop compliqué. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Voilà, donc je suis anonyme. Je quitte ma cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente. Et avec elle, vos chances de réussite. Très bien. Vous avez la possibilité de vous cacher. Plus de PV, plus de possibilités de gagner, hein, forcément. Vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants. Alors les bancs, dans votre cachette. Les bottes de foin, les kiosques avec les tentures, et les moines sont les objets dans lesquels, oui dans les moines, oui, je vais pouvoir me cacher. Voilà, les moines sont des objets, ok. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Alors, pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit
et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Compris. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Que le Seigneur soit avec vous, messieurs. Et avec votre esprit. Voilà. Bien. C'était pas bien compliqué. Hein. C'est le tuto. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Alors, oui, petit aparté, je mets le jeu en pause pour expliquer un petit détail. C'est-à-dire que je n'apprécie pas trop la vision d'aigle, étant donné que je trouve ça trop cheaté en fait. Et que je me dis que si on l'utilise, bah, il n'y a plus aucun challenge en fait. Donc moi, j'aime pas trop l'utiliser. Maintenant, il est possible que je doive l'utiliser de temps en temps, que je n'ai pas le choix. Ou que je suis vraiment perdu, hein. Là je vais pas tourner en rond comme un débile pendant 500 ans, je vais utiliser la vision. Mais j'essaierai de ne pas l'utiliser en tout cas. Donc voilà, je reprends. Donc sinon, ici on a évidemment le blanc pour l'information, la cible en or, les ennemis en rouge et les alliés en bleu. Code couleur. Ma foi, somme toute, logique. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Mm-hmm. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Sa voix qui a pété un câble. Ce credo se compose de trois préceptes. Vous devez suivre. 1. Ne jamais tuer un innocent. Excellent. 2. Être aussi discret que possible. Compte sur moi. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Oui, sur moi, pas sur Altaïr. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Excellent. Bah c'est parti. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. Ouais. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet, à présent. Donc ici, oui, les temps de chargement, voilà, on peut courir en rond. Ça sert à rien. Mais on peut le faire. On peut sauter. Voilà, ça ne sert encore une fois à rien, mais on peut le faire. Et on peut évidemment prier. Parce que quand même, c'est le plus important, hein, pas se mentir. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Ah bah oui, Je te félicite. La fortune Merci. A guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie des frères. C'est celle que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Bon! Ah, bah excellent, hein, on est bien d'accord que Altaïr vient de défoncer le credo des assassins à coups de lame secrète dans le dos du vieux monsieur, hein, qui avait rien demandé. Mais bon, c'est pas très grave. Avançons. Voilà, on court, hein, très bien. Je te suis, hop, je te dépasse moi, même, parce que je m'en fous. Je monte à l'échelle. Voilà. Hop. Donc verrouiller une cible, oui, les lignes. Oui, je sais, appuyer sur ça pour la cible secrète. Donc on le tue discrètement. Voilà. Alors lui, le credo, on peut le tuer. Hein. C'est un templier, voilà. Il a une croix rouge. Tout ce qui a une croix rouge, on peut tuer. C'est le credo. Non, c'est pas exactement le credo, mais bon, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'alliance?
Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Un petit biscuit. Non. Enfin, nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué deux des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un troisième. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Ok, alors là on est bien d'accord que... ce que le jeu me demande de faire... c'est de faire de la merde, complètement. Mais bon, comme c'est le jeu qui demande, on va le faire. Hein. Alors, l'échelle. Voilà, on descend l'échelle parce que. Oh, parce que pourquoi pas. On descend l'autre échelle. Là, il y a des Templiers qui nous regardent. Voilà, c'est pas très grave. On est discret. On est discret, vous inquiétez pas. Voilà, on avance. Arrêtez, Templiers. Ah. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. On n'est pas très discret. D'accord, pardon. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Ouais. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non. Bah oui. Bah oui, c'est pas là. Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Si, un homme chaud avec des cicatrices sur la tête. Que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Eh ben. Il a de la poigne, le de Sablé. Aux armes, soldats! Je crois que Altaïr vient de faire une petite connerie. Oui, bah, le jeu ne me laissait pas trop le choix. Hein. C'est ce que je devais faire, voilà. Je devais faire de la merde pour m'apprendre à jouer, le jeu me demande de faire de la merde pour évidemment me dire de ne pas faire ce que je fais. Voilà. Donc, hop, on monte tranquillement, enfin tranquillement on court quand même, hein, parce que voilà. Petite escalade, petite séance d'escalade, hop là, c'est parti. Hop. Rassurez-vous, dans le premier opus c'est très lent l'escalade. Dans les autres, beaucoup moins, donc voilà, patience, le premier opus, l'escalade sera lente, mais c'est pas grave, je suis là pour vous divertir. Comme si c'était rassurant. Oui, je sais, c'est ce que vous me dites pour le moment. Ne vous inquiétez pas. Ah si, inquiétez-vous si vous avez repris, mais... Et on tourne en rond, et on tourne en rond, pendant le chargement, je meuble. Allez. Ok, donc là on est à Masyaf. Altaïr, tu es de retour? Oui. Ah ouf. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Pas exactement. Le maître est dans sa tour? Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Probablement. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Allez, on fonce vers la forteresse de Masyaf. Comment ça sprinter, hein? Y a pas de raison, hein. Si on m'attaque dans mon village, zut quoi. J'ai pas le droit de courir. Que fais-je? Oui, mais je fais totalement de la merde, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais pas du tout dans le bon sens. Est-ce que je peux passer là? Oui, je peux. Il a eu peur. Je cours. Bah arrêtez, vous avez jamais vu quelqu'un courir, c'est fou ça. Qu'est-ce qui lui prend? Quoi, c'est ma façon de courir qui vous plaît pas? Elle est très bien ma façon de courir, regardez. J'ai l'impression qu'il marche un peu, enfin il court un peu droit, tu vois. Avec juste les bras qui balancent un peu, c'est bizarre. Mais c'est pas grave. La forteresse de Masyaf. Le foyer des assassins. Et on court.
Y'a personne qui nous regarde, on peut bousculer le vieux. Et le moins vieux. Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Un mot de plus et ma lame tranchera ta gorge. Je tiens à souligner que là, Aldair va te faire un combo. C'est-à-dire... ne pas tuer des innocents, check. Enfin, je veux dire plutôt... des checks. Restez discret, des checks fois 1000. Et... ne pas mettre la vie des assassins en danger. Bah déjà les deux qui étaient avec nous, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais ça craint. Et lui là, on lui a dit carrément qu'on allait lui trancher la gorge. Mais bon, soit. On va pas juger, hein. Altaïr, c'est Altaïr, c'est tout, c'est voilà, c'est comme ça. Pas grave. C'est pas très grave. Avançons. C'est un honneur. C'est un honneur aussi pour moi. Je comprends même pas comment. Je comprends même pas pourquoi c'est un honneur, mais c'est pas grave, c'est un honneur. Le maître t'attend à la fin. Oui, je sais. J'ai pas forcément envie de le voir, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est normal de pas avoir envie de voir son maître quand on vient de foirer sa mission totalement. Enfin, je crois, hein. Après, je suis pas sûr, mais... Bon, je vous laisse profiter de la petite cinématique. Altaïr. Maître. Avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. J'ai fait de la merde. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor? Ah oui, t'as fait de la merde, mais ça c'est sûr. Et de Sablé? Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui. Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. Tu en as déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Morts. Non! Pas tout à fait. Malik, il a survécu. Je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela! Et mon frère... mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Donc on l'a quand même eu, enfin... il l'a quand même eu. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Massiaf. Ah, merde. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Oh là là. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Ok. Avance rapide vers une séquence plus récente. Donc ça y est, le village est attaqué, c'est la merde. On va avoir un petit peu de baston. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion.
Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Je vais les buter, t'inquiète. Y'a pas de soucis. Oui, parce que c'est ça, hein, la diversion, c'est de les buter. Y'a pas de diversion. Alors, le haut, la lame secrète, le bas, les points, quand je te lance, c'est 3 d'épée. Sélectionnez votre épée, très bien. Et on sort l'épée. Taïo! Tuez-le! Tuez l'assassin! Tu crois que tu m'as fait? Allez, et on attaque! Attaquez! Oh! Aïe! Bien joué! Enfin, c'est moi qui fais de la merde, hein. J'ai trouvé de douche. Ça arrive, hein, c'est le début. Hop, on attaque! Et attaque puissante! Et voilà! Et je me prends des... On attaque pas les gens de ma cité! Pas impunément en tout cas. Et on attaque! Allez, oh! Ça c'est fait! Allez, viens ici toi! Et hop, tiens, coup, parade encore, et tiens, voilà, allez fouiller pauvres gens, fouillez, je m'occupe des brigands bien sûr, voilà, prime. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas vraiment un assassin. Enfin, si, on est un assassin, mais c'est... Nigné, bref. Bref. Cause perdue, je peux pas défendre ces actions. On est des assassins, mais comme ils ont des croix rouges, on peut les tuer. Bim. K.O. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de son pote avec une frappe puissante. Et je... J'ai trouvé. Il est là. Ah. Bonjour, je t'avais pas vu. Et... Oh, on prend la lame secrète. On se dirige juste derrière le gars qui est en train de marteler un pauvre innocent. Et on se foire complètement. Le fail. Magnifique, magistral. C'est pas grave. Voilà, dans les couilles. Voilà. Plus de couilles, plus de nuque. C'est parfait. Enfin, deux. Un assassin, tuez-le. Et hop, parade. Tiens. Hop, aïe, on va en avant qui n'a pas marché du tout. Ça sert à rien d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Ah, peut-être pour les ennemis après. Les plus costauds, les plus coriaces. Donc là on avance, c'est le bordel, hein, c'est clairement le bordel. Cessez le combat et retournez à Mascaf. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Ok, on doit partir. On doit partir, très bien. Checkpoint atteint. Alors... T'es où Al-Mualim? Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où elle? Montez à l'échelle. Là-haut. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Ok, j'arrive. J'ai pas trop le choix de toute façon. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il fait? Monte à l'échelle. Je monte à l'échelle, tu n'as jamais vu quelqu'un faire? Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Là, sur le bord, là? Très bien. Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure! Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Je sais pas qui c'était.
Ton village mais... est en ruine. Et les vivres viendront bientôt t'aventer. Enfin, si, c'est toujours lui, mais... Combien mais, de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait. Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi, et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Suicidez-vous. Suicidez-vous, votre maître vous l'ordonne. Très bien, maître, si c'est ce que vous voulez. Ah, mais il a raté le foie, lui, on dirait. Silence. Ah oui, ça fait mal, hein. Vont nous entendre. Ah, oh, ce bruit horrible. Oh. Ouf. Orienté. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur parcours. Nos ennemis. C'est parti, on suit le parcours. Hop. Oui, donc le célèbre saut de la foi, hein, que vous venez de voir, hein, la série de Assassin's Creed, c'est leur marque de fabrique. Le sauter de très très haut dans une boîte de foin. N'essayez pas en vrai, hein, ça ne... Je crois que ça ne fonctionne pas. En tout cas, ne l'essayez pas. Laissez ça plutôt à vos idoles de jeux vidéo. C'est beaucoup moins dangereux pour vous. Alors on monte, petite séance d'escalade tranquillou. Hop. Youp là, voilà, très très bien. Encore. Encore une fois, oui, voilà. Et on est au sommet. Et voilà. En arrière, soldat. En arrière. Oui, c'est efficace. C'est efficace. Il a réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hachichiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Bam, la petite baffe de Norman. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Mais il me tournait le dos. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon. Où je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Il n'a pas totalement tort. Hein. Je suis désolé, vraiment désolé. Oui, mais là, j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. D'où sont les vérités, le contraire? Tu ne me laisses pas le choix. Hein, la paix soit sur toi, Altaïr.
Ah, excellent. Le coup de couteau. Puis 5 secondes après seulement. Ah, c'est pas un décalage dans la capture, hein. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Et donc, on se réveille. Ça va faire bizarre de se réveiller d'un animus, l'air de rien. Je me suis jamais... projeté dans ce que ça pourrait être comme sensation, mais ça doit être extrêmement chelou. Mais donc, là, ils discutent. Donc ici, c'est notre piole, hein, avec notre table. C'est pas très très luxueux, hein, mais bon, voilà, on fait avec. Hein. Pas le choix, de toute façon. Ah, on peut se changer peut-être ? C'est pas possible, je peux même pas me changer. Ah bah non. Voilà. Merci le jeu de répondre à ma question. Alors. Oui, bah. Allez, on tourne le dos. C'est bon, Desmond, t'as fini ? Ok, on peut y aller. La douche. Allez, on va écouter leur conversation. Je n'apprécie pas du tout que vous remettiez en question l'autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila ? Depuis l'accident, on est tous à plein cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirerons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Hé, hey, je t'entends. Déjà, pour recharger tous ses souvenirs, même si t'es pas censé le savoir. Je ferai de mon mieux. Ok. Bon. Très bien. Animus. C'est parti. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. J'imagine que j'ai pas le choix. Ça vous dérange si je vais fouiller votre ordinateur ? On ne peut rien faire. Bon, bah tant pis, on va aller dormir, hein, du coup. Ah, on peut peut-être parler à Lucie, je ne sais pas. Ah, Warren est parti, on peut peut-être essayer de lui parler. Alors tu es un vrai assassin, dans ma manière ? Oui et non. J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme ? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Massiaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi ? Mes parents étaient deux hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâche sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es... On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Non. Et puis, je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi, leurs prisonniers. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolée, je ne voulais pas t'aider.
C'est rien. Au moins, ça me change les idées. Tu devrais te reposer. C'est une longue journée qui nous attend. Je peux te poser une question avant d'y aller ? Comment ils m'ont trouvé ? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Non ? Pas jusqu'à ce jour. J'en ai pas. Pour appeler qui ? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations ? Il. Tu travailles pour eux, mais tu dis il. Étrange. Soit. Bon. Excellent. Merci le klaxon. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un mec qui vient c'est de passer pareil, dans ma rue. Ils klaxonnent à fond la caisse, je sais pas pourquoi. Chouette, ils ont verrouiller la porte. Bon, ben... on va se coucher. Voilà, je mets le jeu en pause car je termine l'épisode ici. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'ai hâte de tourner les suivants. Si vous avez aimé cet épisode... cliquez sur le pouce en l'air, ça m'aidera beaucoup, étant donné que ma chaîne est toute nouvelle. Si vous aimez le contenu de ma chaîne et que le cœur vous en dit, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Vous savez. En attendant, je vous retrouve pour l'épisode 2 le plus vite possible. Je vais m'empresser de le tourner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis... à la prochaine et portez-vous bien. Salut !